et tous, c'est ma tête pour un nouveau tutoriel. Donc ça s'appelle comment mettre une vidéo plus rapidement sur YouTube. Parce que je vous préviens, comme vous, youtubeur ou internaute, il fait chaud aujourd'hui, mais j'y vais. Quand vous mettez une vidéo sur YouTube, ce n'est pas comme prendre une vidéo sur un dossier, le mettre sur l'écran, je veux dire, là, l'écran, le bureau. C'est pas fait tic, voilà, non, d'où tu vas prendre son temps, un peu comme un vieux pépé qui a du mal. Bon, enfin, YouTube c'est bien, je ne traite pas de vieux pépé, mais pour les mettre les vidéos, je traite tic un peu. Donc, je vous présente Handbrake, voilà, qui est là, je le désinstalle, je retourne sur la page de Handbrake, je le mettrai dans la description, donc à toutes. Donc ça y est, je suis sur le lien Google et me traduire, donc vous avez juste à télécharger si vous voulez lire, voilà. Donc c'est multiplateforme Windows, Mac et Linux, je le dis. Là, donc vous attendez. Donc c'est rapide, mais c'est aussi mou, hein. Donc j'attends. Oui, je fais des tutos à toute heure, si vous avez vu l'heure de mon ordi. Alors, affiché dans le dossier. On n'a plus besoin d'internet. Vous le mettez sur le bureau. Donc, vous l'avez vu, il n'est plus là. Vous allez le lancer une fois. C'est l'installeur. Oui. Next. Android. Install. Là, il installe. Finish. Donc, ça y est, il est là. On n'a plus besoin de l'installeur. Donc, je sais que ça fait un peu tropical, Handbrake. Bon, après, voilà. Donc, on va le démarrer. Clic droit. Ouvrir. Ah oui, ma vidéo. Ah, désolé, j'ai convaincu par le tuto. Mais j'ai pas pensé à la vidéo. Alors, j'avais supprimé parce que j'ai fait plusieurs fois cette... Alors, il est où? Non, pas de test. Ce n'était pas test, ouais, non. Non. Non, non, non. Là, le voilà. Et puis un vieux. L'autre que je voudrais pratiquer. L'autre. Parfait. Donc on est là. Vous allez commencer par source. File. File, pardon. Donc mon fichier est sur le bureau. Voilà, alors on le glisse. On le cherche. Les blagues de la semaine, parfait. Donc le temps qu'il charge. Alors, pour commencer, on va faire file. Bon. Alors, on va choisir. Là, c'est là où ça va, l'emplacement où il va se créer, où il va se mettre. Donc, on va l'appeler test. Enregistre. Alors, vous regardez, c'est du MP4 et pas du MKW. Alors, dans source, c'est du 640 fois du 480. Enfin, là, et là, on va mettre known, modulus du 16. Et là, on voit que ce n'est pas du 640 fois 480. Donc, 640, 480. Donc, là, c'est 640 est parfait. Mais là, c'est du 272, on n'en veut pas, donc on supprime. Voilà, et on met du 480. Donc, voilà. Maintenant, vidéo. Alors, la qualité, c'est important. Pourquoi? Alors, regardez, c'est dans vidéo codec, c'est du H.264, entre parenthèses, fois du 264. Alors, la qualité. Alors, il faut la coucher, là. Alors, plus vous la mettez basse, plus ça va prendre du longtemps, et plus la vidéo sera de bonne qualité, même à mon avis un peu trop. Si vous mettez, voire 45, là, je vous assure, la vidéo est très floue, elle est incapable, donc pour perdre des abonnés ou pour pas en avoir ou des j'aime, c'est le maximum. Mais moi, je mets vers 18-20. Ouais, 20 est parfait, donc normalement vous allez apparaître sur 20. Alors voilà, on touche à rien. Notre piqûre. Oui, j'appelle piqûre. Pareil, il revient en 480. Voilà.
Et on va faire star. Donc plus votre vidéo sera longue et plus vous avez mis plus de choses, plus ça va prendre du temps. Là on attend que finish. Donc c'est fini, on n'a plus besoin de ça. Alors, et mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, désolé. Donc désolé, je vais peut-être couper la partie que je me suis trompée pour vous la refaire. Donc source, file, je vous fais rapidement. Hein. J'essaie de la faire rapidement. Les blagues, revenu, test. Après, oui, je sais pas. MP4, oui. Alors lose, non. On décoche la flèche, 2, 16, on reprend, donc c'est du 480. Vidéo, ouais, c'est parfait. Mais on revient sur piqûre, on fait star. Oui, ah oui, je comprends. Quand on le décoche pas, ben hop, ça reste. Voilà, hop, il est en train de charger. C'est remplacer le ah oui, là c'est le stalling. Ok, donc que finish, c'est fini. Voilà, c'est parfait. Parce qu'en fait, ça ressemblait à test 3, qui est parfaitement nul. Voilà. Donc alors, je le mets à côté. Donc on n'a plus besoin de handbrake. Alors vous avez la vidéo d'original, celui qui vient d'être conversé, et test, donc le faux, que je ne veux pas que vous montrer si j'avais... pas déco si j'avais pas décoché ce que ça sera demain. Et on va voir le là, donc regardez le bas, la partie noire en bas là, cette partie là désolé si j'ai mis un coup. Voilà ma tête, je vous assure, là c'est perdu. Alors maintenant voir ce qu'on a fait, test. Donc, parfait et en bonne qualité, ça ressemble parfaitement. Donc Minecraft, là, donc c'est parfait. Et maintenant, celle où je ne veux pas qu'on fasse, c'est ça. Regardez, c'est la partie blanche. Alors regardez bien quand ça sera ma tête. Là, on voit pas ma tête présente. Minecraft et ni truc et astuce. On voit que l'écran. Du coup, c'est moche. Même si vous YouTube, vous internaute, vous devrez subir le noir, ce qui est pour moi mieux. Rien trouver, ça fait un peu pour bambouette. Voilà, donc ça c'est nul. Donc voici, le tuto est terminé. Désolé, bon, je crois que j'ai montré l'erreur. Je vais montrer l'erreur quand même. Allez, pour voir, en fait, c'était de quelques minutes. Raté, je vais me mettre là. Donc je vous, alors je vais dire ce que je mets dans la description. Je vais mettre la description de les blagues de la semaine. Oh mais en fait on est lundi. Ok, donc je vais devoir le faire pour mercredi. Parfait. Alors et je vous mettrai le lien dans le break, la vidéo, la vidéo donc l'autre. Alors je vais vous dire une phrase que je dis à tout le temps. Mes tutos, mes vidéos, mes séries sont spécialement, je dis bien spécialement pour vous. Même si ça m'amuse de faire des vidéos que j'adore faire des vidéos et que même si je me trompe ce n'est pas si beau, j'essaye de refaire la vidéo, pas comme certains qui font, j'essaye de reprendre les tutos d'une autre personne qui est mal fait pour essayer de la en fait pour en gagner des gens sur ma chaîne évidemment. Mais pour dire que si certains ne le trouvent pas et hop, il y a la vidéo, pour dire qu'il a fait une erreur et voilà. Donc, quand même faire un j'aime sur le trompeur, voilà. Et pour finir, abonnez-vous. Si vous avez tout regardé, je fais une vidéo. Et mettez un j'aime et un commentaire. Donc, au revoir.